Et YouTube, est-ce que toi aussi tu as déjà eu une amie enfermée par des nazis? Si oui, comment tu fais pour la faire sortir cette putain de cage? Laisse un commentaire. T'as rien pour forcer la cellule. En fait, le problème c'est pas de forcer la cellule, c'est qu'elle veut pas sortir tant que c'est pas bloqué. Est-ce que c'est une suite de dialogue à faire? Y a rien à la salle de la pieuvre. Non, j'ai pas l'impression. Ou alors j'ai mal regardé. C'est une bouche d'aération. Encore vous, Jones! Vous auriez dû vous enfuir quand vous le pouviez! Ah, vous savez pas vous arrêter à temps, hein? Oh, j'ai marre de courir. À votre tour maintenant! Oula, battle! On l'a défoncé. Il y a des rations sur lui. C'est une saucisse. Et voilà. Un Allemand, et qu'est-ce qu'il y a sur lui? Des saucisses. Bah, bravo. Est-ce que ça, c'est pas un peu cliché? Je vous le demande. Pièce de la statue. Oui, il y a forcément quelque chose, mais je pense que ça va être la suite de l'aventure qui doit se passer par là. Et j'aimerais bien libérer Sophia, mais je ne sais pas comment. Évidemment, la ration de l'amant, une saucisse. Bah oui, voilà. Il n'a pas de bière, non. Non, mais on a déjà utilisé une chope à bière tout à l'heure, donc ça vaut, ça compte. Salle de la machine. Salle des crabes, on a fait ce qu'on avait à faire. Salle de la machine, c'est pour fabriquer de l'oricalque. Métro. Non. Il y avait un truc semblable de l'autre côté où on avait récupéré le torse. Peut-être un truc qu'on a raté par là. J'avoue que sortir Jocelyne de sa cage, c'est une énigme un petit peu complexe. Bah surtout qu'il faut trouver le bon objet, je pense, pour la sortir, mais je vois pas où ça peut être. Je crois qu'on a rien raté. Fichtre. Métro. Peut-être un truc à mettre en route ou un truc comme ça qu'on a raté et qui permet de débloquer autre chose. Parce que c'est là qu'on a trouvé le squelette. Le squelette. Il n'y a plus besoin de ses os. Je vais essayer de rester reposé en paix. Il n'y a pas un petit fémur ou un truc comme ça? Apparemment non. Donjon. Mmh.
V'là bien embêté. Alors fouiller un petit peu les pièces au cas où on a raté quelque chose, mais... J'ai peine à y croire. Monkey Island Empire. Oh non, Monkey Island, il y a des trucs qui sont ultra tordus. Après, c'est pas le pire, Monkey Island. Honnêtement, il y a les jeux Sierra, il y a Space Quest qui est imbitable tellement, tellement la logique est tordue. Genre Space Quest 6, c'était dur à dire ça. Il est franchement tordu du slip, quoi. T'as abandonné Monkey Island, le 1 ou le 2? Ok, il y a des pièces de robot ici. Mais il n'y a pas l'air d'y avoir ce qu'il nous faut. Les deux, ouais. Bah ouais, les deux sont assez durs. Je sais que Mister MV les a fait en stream il n'y a pas longtemps. Donc au pire, si tu es intéressé par voir comment ça se passe. Space Quest, c'est un jeu Sierra donc où la mort est possible. C'est un point and click de science-fiction. Où on incarne Roger Wilco, balayeur de l'espace. Et c'est de la parodie. C'est une saucisse. En fait, je pense que la saucisse, elle servait si jamais on n'avait pas fait le sandwich dans le sous-marin. Donc ouais, Space Quest, c'est de la parodie, mais c'est ultra tordu, et bon, y a de la parodie de Blade Runner, il y a de la parodie de Terminator, il y a de la parodie de plein de trucs. Mais alors, au niveau de la logique, c'est ultra tendax, quoi. C'était il y a longtemps, Monkey. Oui, le jeu est vieux, mais bon, ça reste un très bon jeu. Quel fouillis! J'ai pas mis des ordres, j'ai pas le ramassé. Le relou. On a toujours pas d'utilité pour la petite pièce en bronze. C'était pour accéder à Sofia, je crois. Non. Un raccourci. Pour là-bas, ce qui m'avance pas, mais bon, soit. Space Quest, c'est aussi de la parodie de Star Trek, évidemment. Graphiquement, c'est assez joli, il me semble, le 6. Mais ludiquement, c'était chiant parce que les énigmes sont tordues, mais une puissance. Nope. Sinon, je vais donner une saucisse à Sofia, hein. Elle va coincer la grille qu'une saucisse. La saucisse avec la statue. Tout de suite. Prendre l'échelle. Et non. Utiliser l'échelle avec le trou. J'ai un peu oublié de la reprendre. Mmh.
Bon, Sophia, tu es coincée dans cette pièce depuis 8 ans et t'en as plein le cul, mais prends donc cette saucisse. J'ai fouillé différentes pièces ici, mais je crois qu'on a déjà fait le tour au moins 3 fois. Ich bin Keblo. Là y'a rien. Ouais. Là y'avait la grille, mais je pense qu'elle permettait juste d'accéder près de Sophia. Elle dit quoi, Sophia? Elle dit rien. Quand tu lui parles, elle fait juste. Elle dit juste, me laisse pas! On va voir par là s'il y a un truc qu'on a oublié ou quoi, mais. Je peux pas prendre ça. Eh, mais oui! On va prendre nos pierres. Nos pierres, ça tombe, c'est ça qui va permettre à Sophia de coincer la porte. Si on lui file un disque, elle pourra peut-être bloquer la grille. J'avais complètement oublié que c'était là. Puisque c'est avec ça que nous sommes rentrés. Dans l'Atlantide, on avait 3 disques de pierre qui nous ont permis d'ouvrir la porte. Et comme on lui dit, bloque le truc avec une pierre, et qu'elle dit, y'a pas de pierre. Tiens, Sophia, prends ce vasming inestimable pour bloquer la porte. Oh, il a cassé. Merde. Oui, bloque la porte avec des reliques. Attention, j'ai déjà pété la gueule à ton camarade, toi. Ah, Docteur Jones, vous ne m'échapperez pas cette fois. Vous savez pas, vous arrêtez à temps. Je fais un marche arrière, parce que j'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Revenez, battez-vous comme un homme. Ouais, bats-toi avec un chat qui essaie de te pousser le bras en même temps, tu verras. Paul le poulpe. On va essayer de filer un disque de pierre à Sophia, puisque de toute façon, normalement, on n'en a plus besoin. On va donner la pierre solaire à Sophia pour bloquer la porte. Si c'est pas ça, je suis déçu. La porte l'écraserait. Donner la pierre lunaire à Sophia. La porte l'écraserait. Tu peux pas traverser à pied, non? Non, j'ai pas l'impression. On a pas testé ça quand même. Donnez la saucisse. Donnez la saucisse à Sophia. Je pense pas que ça m'aidera. Mais c'est une saucisse, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Sophia? Quoi? À bientôt. N'est pas bonne. Voilà! Fais pas blablabla, Indy. Non, avec l'échelle, elle veut pas, elle dit que ça passe pas, que c'est chiant, ça passe pas à travers les barreaux. Utilisons la saucisse avec le tas doucement. Il a l'air froid et humide. Nu. Mmh.
Wow. Ce truc-là, un moteur. Bonne idée, Tancrède, bien joué. Air verrouillé. Ça semble pas s'ouvrir. C'est un axe de pierre. Ça rentre pas bien. Ok, donc les pierres elles permettent d'ouvrir les portes. Ah bah là du coup on va peut-être trouver quelque chose qui va permettre de débloquer Sophia. Ces os ne ressemblent pas à ceux d'un animal. Mais juste falloir qu'il faille dire non, mais en fait tu peux cliquer sur l'eau. Tête de poisson ornementée. Ça ne rentre pas bien. Pierre lunaire. Oui. Tout doucement. On peut s'arrêter, il y a un passage ici. Prendre la pièce en forme de croissant. De faire partie d'une ancienne machine. Ok. On va fouiller les alentours du coup du canal et puis on verra si on peut... si on peut trouver de quoi aider Zovia. On va aller de l'autre côté parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du bout vu qu'on utilise des pierres de plus en plus petites. Donc je pense que de l'autre côté on a utilisé la pierre solaire, on va peut-être pouvoir récupérer des trucs. C'est pas le bateau le plus romantique du monde, d'ailleurs le crabe, il est pas très... il est stylax, mais... pour une petite promenade dans les canaux... Allez, hop. Ok, donc là, il n'y a rien. Un tas d'ossements, un autre tas d'ossements. On va utiliser la pierre lunaire avec l'axe. Ah, les boulis, peut-être que ça va nous permettre de trouver des trucs. Je passerai jamais. Je peux pas prendre ça. Il y a la tas d'ossements ou il y a le tas d'ossements, c'est au choix. Ces os sont bizarrement tordus. Ces os appartenaient à un être humain était malade.
Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Côté vers l'arche. Et je suppose que là on aura fait le tour de la... On va voir si cette pièce en forme de croissant peut suffire à aider Sophia, mais je pense pas, ça me surprendrait. Mais après, j'en vois pas d'autre utilité. Ça doit pas être loin de la fin, non, je pense pas. Vu que là on arrive plus ou moins au centre de l'Atlantide, je pense que la fin va être là, mais... Donnez les pièces en forme de croissant à Sophia. Dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est ça. S'il te plaît. Allez, vas-y. Bon, elle aurait pu bouquiner pendant que... Parce que là, l'échelle, elle veut pas utiliser, donc c'est chiant. Avance, tu verras bien. Laisse-moi réfléchir un instant. Passe la porte avec une pierre. J'ai pas de pierre. Il y a un crabe qui s'est fait défoncer axe. Ouais, le bateau crabe, il va permettre d'accéder à la suite, je pense, mais il doit y avoir moyen de libérer Sophia avant d'y accéder pour qu'on accède à la suite ensemble. T'as pas un bâton? Bah non, j'en ai plus. Ou un levier? Non, je crois pas. Si ça se trouve, tu as trouvé une cale là-bas. Oui, on peut toujours les voir, mais... Ça me surprendrait. Je pense plutôt qu'on va accéder au dernier acte. C'est une sculpture étrange.
Est-ce qu'il veut pas prendre les os? L'arche. Alors, les trucs. Marcher vers la chaîne. La chaîne passe dans une boucle de pierre. Regarde la plaque, je vois rien d'en bas. C'était une boucle de bronze à laquelle le bras est relié. L'un des bras de la statue. Utiliser la chaîne avec la boucle de bronze. Utiliser l'oricalque dans la statue stationnelle. Ça ne marche pas. Tirer le bras. Je peux pas déplacer ça. Utiliser la chaîne avec le bras. La chaîne n'est pas assez longue. Il faut accrocher tout. Bah ouais, je pense, mais... Ou alors il faut utiliser le fouet avec le bras. Utiliser le fouet avec la chaîne. Tirer la chaîne. Je peux pas déplacer ça. Tire le bras. Mets la chaîne dans la bouche, ça possible. Utilise la chaîne avec la plaque, non. Non. Ouais, l'abdomen, c'est une plaque. Je vois rien d'en bas. C'est fermé. Ah d'accord, il y a plusieurs éléments à utiliser pour reconstruire la statue. On dirait que ça ressemble à une espèce d'horloge. Elle a recraché la perle. Je peux pas. J'ai déjà quelque chose dans la main. Ok, non. Ok. Bon, il y a de la reconstruction à faire. Regardez les débris, j'ai pas vu qu'il y avait de trucs. Ce sont les débris du robot. Je peux pas prendre ça. Je
Je peux pas tout soulever d'un coup. Ici, mais il devait y avoir un dessin ou un truc genre un plan de construction où faut aller au pif, ou peut-être aller au pif. Hein. X. Il me manque peut-être encore des éléments. Essaye la chaîne surtout, ça va bien passer. La chaîne, je crois que ça on avait déjà fait, ça servait à rien. La chaîne n'est pas assez longue. Utiliser la saucisse avec la chaîne. Je pense qu'il me manque un élément, mais j'ai l'impression d'avoir fait 8 fois le tour de la zone, donc... Alors, est-ce qu'il faut péter la gueule à plus de soldats pour récupérer plus de trucs? Vu qu'il y en a un qui avait les Ozis. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres éléments sur eux, et du coup il faut juste les défoncer pour les pièces d'avant. Je crois qu'on a fait le tour des pièces d'avant. À moins qu'il y ait encore un truc bloqué dans 3 pixels à la con. Les bouillies c'est ok, tas d'ossements. Des ébauches de cornes sur certains crânes. Ils étaient peut-être pas humains, mais autre chose. Quelle étrange culture.
Bon, merci, j'ai assez nagé aujourd'hui. Parce que les pièces d'avant, je pense que j'ai complètement dû fouiller, mais... Allons péter la gueule à un mec. Peut-être se rendre compte qu'ils ont d'autres objets sur eux et que du coup ça peut servir. Ah, Dr. Jones! Pouvez-vous vous chercher après base, cette fois-ci? On va voir ça. Finissons-en. C'est exactement ce que j'ai pensé. Bon, on s'est fait tabasser. Indy découvrit l'Atlantide, mais les nazis furent les premiers à découvrir les secrets. Fichtre. Ouais, j'avoue que là, je suis en train de bloquer comme il faut. Merci. Un bien beau combat. C'était glorieux. Il y a des épaules de cordes sur certains crânes. Peut-être pas humain, autre chose. C'est dur, hein. Le placard, on s'en fout. Les petits crabes, on s'en fout aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bon. Eh ben, nous voulons bien avancer. Corne, soleil. Très bien. Ah si, je crois que j'ai compris. Ça représente la lune. Enfin, c'est le plan du mécanisme. Là, on a le truc, la pièce centrale. Là, on a la petite pièce de bronze qui doit représenter le soleil. Et là, on a le demi-cercle. Et donc, du coup, on doit voir les cornes et le symbole qui est à côté. Attention, allumage de cerveau. J'y crois à mort. C'est les moves de la statue. Elle fait le robot. La statue du méchant robot. Regarde les bras. Ouais, j'ai pas trop regardé les bras, mais je vois à peu près ce qu'il y avait à faire, je pense. Ah, mais les chaînes sont revenues. Utiliser la chaîne avec le bras. Tirer la chaîne. Je peux pas déplacer ça. Utilisons l'échelle avec le machin. Et allons voir la plaque. C'est fermé. Alors. On est censé avoir le symbole des cornes quelque part, mais il n'y est pas là, évidemment. Parce que du coup, là on a le soleil, là on a le bidule, là on a ça. Elle a recraché la perle. Oh,
Regardez le plan avec les bras baissés. Pourquoi avec les bras baissés? Elle a pas les, elle a pas les bras baissés, là. Il te manque une pièce ronde, ouais, c'est fort probable. C'est une boucle de bronze à laquelle le bras était relié. Non. Si on revient, ça reset le truc. Pas du tout. La chaîne est déjà dans la boucle. C'est une chaîne de attachée au bras de la statue. Je pense qu'il y a moyen de bouger. En fait, je pense que le... Il doit y avoir moyen de bouger le bras de la statue. Et c'est ça qui fait que... qui détermine le... la place dans le mécanisme. Mais le tout est de savoir comment... comment on détermine la place... la... comment on tire la chaîne pour... Ouais, sur le plan, il y a 4 positions. Il y a bien une espèce de petit symbole central qu'on reconnaît, mais... Il faudra réussir à bouger ses bras. Et j'aimerais toujours libérer Sophia, mais j'ai dû rater une pièce quelque part. Il doit y avoir une pièce quelque part où il y a un petit objet à la con, où il y a deux petits trucs qui me permettent de libérer Sophia et de... et de... gérer cette statue. Pourtant, je suis quasiment sûr d'avoir fait le tour de tous les lieux. Je suis circonspect. Il faut sûrement que je fasse l'assemblage pour que le bras bouge. Je sais pas. Peut-être que faire l'assemblage, c'est ça qui fait bouger le bras et que c'est ça qui tire la chaîne, mais... mais c'est compliqué, hein. Bon, deuxième temps. Oh. Taper les nazis. On va essayer de se retaper un pour voir. Toi, soldat random. Oui, encore moi. J'aurais dû m'enfuir, je sais. J'ai perdu suffisamment de combats pour le savoir. Pour changer, vous allez vous enfuir. Le système de combat est quand même... pas expliqué, dirons-nous. Je sais même pas s'il y a moyen de se défendre ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est juste une question de timing, mais... oui, encore moi. Ah, passer les dialogues.
On arrive au stade où ça commence à me péter les burnes. Bon, on va pas essayer de taper de nazi, visiblement on est trop mauvais pour ça. Alors, donjon on a déjà fait. Pièce, salle de la sentinelle. Hall, métro. Ce côté-ci, je pense qu'on l'a fait, c'est bon. J'ai dû rater un truc, hein. Ça sent le rage kit. Ça commence. Il y a un petit fumée dans l'air, là. Pièce. Essayer de le faire méthodiquement, plus ou moins. Et donc là, on a exploré, on est d'accord. Ah, puis ça me fait chier parce que il devrait en plus rester grand chose. Donc première pièce, ok. Là y'a rien. Là c'est la pièce qui permet d'accéder à... La pièce de la statue. Je dis qu'elle est affreuse à chaque fois, mais elle fait rien et elle tenait juste la coupe. Est-ce qu'il y a autre chose à en faire? Marcher vers la grille. Parce qu'on avait déjà récupéré une petite pièce de bronze. On arrive là, ok. Ça, le lave, on a déjà fait ce qu'il y avait à faire, c'est pour choper de l'oricalque. Bon, sinon, il reste toujours la solution de regarder des solutions, mais j'ai pas envie, quoi. On a bien avancé jusque-là, ce serait con. C'est vers moi que ça a pointé les trucs. Là. C'est un truc avec con. Oh oui, sûrement. C'est un truc tout merdique, mais. C'est nous, très bien. Mmh.
Je m'attends tellement à ce que ça soit juste une pièce que j'ai raté, un truc comme ça. Non, bah, ça sert à bon, putain. J'ai fait 12 fois le tour de cette map en même temps que pour chercher des trucs pour aider Sophia, donc... Prends le métro et casse-toi. Je prends le RER et je me tire. Ça se met de l'autre côté de la main, je pense. Ouais. Là, il y avait un autre robot en construction. Mais ça, on l'a déjà fait. Bah, je suis bloqué. Je suis bloqué. I am Kiblo. Discord dans Bonne DLT qui était bien aussi, qui était par contre très verbeux et qui était avec des énigmes aussi bien tordues. Bah ouais, mais la solution ça me fait chier quoi. Cette pièce, elle servait à rien pour l'instant.
R très lourde, on est d'accord. Bon, on va sauvegarder là. Kiblo. Et j'ai mal au yonf. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde vite fait une solution ou... et on essaie de terminer ça ce soir ou on attend la semaine prochaine? Moi, je suis pour attendre la semaine prochaine parce que j'ai pas envie de regarder une solution. Mais je pense pas avoir de meilleure idée d'ici la semaine pro. Qu'est-ce que je ferais de plus semaine pro aussi, je sais pas. Ça aujourd'hui, j'en ai plein de chiens. Alors, Indiana Jones, Fate of Atlantis. On va déjà regarder comment libérer Sophia. Rescuing Sophia 6-3. Alors, bon, je suis sur une solution, hein. Une fois que vous avez... Alors, ça a l'air un peu compliqué. Une fois que vous avez atteint le canal, vous remarquez qu'il y a un grand poulpe, blablabla. Il faut utiliser le crabe, c'est bon. L'octopus, on l'a fait. Stairway, room avec le cupboard, c'est bon. Deuxième, il y a une arche qui mène à la... machin qui démène à une grande sentinelle de bronze. Donc je pense qu'il me manque des pièces. Ça c'est bon. Je comprends rien. Alors, le sous-marin, le labyrinthe. On disait donc il faut cet objet.
Il s'applique comme un aiguille pour couvrir ses bras à droite, pieds se relever. Une lampe atlante, une perle d'oricale qui est lumière, ok, les trois disques c'est bon. Les portes s'ouvrent, on reprend l'échelle et les disques, il faut y rentrer dans le labyrinthe. Visiter toutes les pièces sans exception, il faut découvrir un volant de bronze, une roue de bronze, une tête de statue, une coupe. La cage thoracique d'un squelette, une figurine en forme d'anguille et éventuellement une saucisse. C'est la statue qui te permet de débloquer ce village, je comprends bien, oui, mais... Bah, je sais pas s'il me manque un morceau en fait. Je pense qu'on est bon. C'est ce que je lis, mais je pense juste qu'on utilise mal le mécanisme. Ouais, YouTube, au fait, j'espère que tu t'es bien fait chier sur cette fin de vidéo. Bisous.